On est très heureux, la salle, comme on a tout vu, était archi plein. Donc on a vu une présentation théâtrale sur Hammam El'Iyalat, ou le bain mort de Hammam El'Iyalat, qui décrit un petit peu la situation au moment de Covid-19. Que pensez-vous du spectacle ce soir? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis la metteur en scène, et vous? Vous pensez qu'il est bien? Oui, il est bien, oui. Ah ben super, ben, c'est une pièce que nous avons présentée. Le titre de la pièce, c'est Hammam El'Iyalat. Hammam El'Iyalat, c'est un espace qui, sur scène, n'est pas simplement pour les femmes, mais un espace aussi pour les hommes, parce que nous parlons de plusieurs sujets. Des sujets qui traitent notre société et qui traitent des problématiques que nous avons vécues pendant Corona. On est des comédiens et à chaque moment qu'on le passe sur la scène, on se sent qu'on est les rois de la soirée. On se sent un plaisir très énorme. Aussi, on est très content quand on joue sur scène et on a les coups derrière le public. Et ce soir, on a eu un coup Amazon, un écho très grand. Ça nous réchauffe beaucoup. Ça nous donne plus le courage pour continuer dans le domaine de théâtre. Merci beaucoup pour votre présence aussi. C'est un encouragement pour nous et pour la troupe.